Je suis Raoul Arancibia. Nous sommes ici dans mon quartier, qui est un quartier historique, l'ancien, comme vous le savez, où se sont déroulés des événements très importants depuis des siècles. Bonjour, je m'appelle Antoine Garcia. Je suis franco-péruvien et je suis en France depuis 1993. Mais j'ai toujours été entre la France et le Pérou. Donc je m'exprime à la fois en tant que Français et péruvien de Lima. Je suis marié et j'ai deux enfants. Bonjour, je m'appelle Vicente Romero. J'habite Montreuil depuis 26 ans. Je suis donc Montreuillois péruvien. Moi, je me considère un noir. Je suis du Venezuela. Et chez moi, il y a beaucoup de mélanges. Moi-même, je suis un mélange africain, indien, espagnol, basque. Alors, c'est un gâteau. Et moi, je suis très fort. Je suis José Zapata, un Colombien qui habite en France depuis 23 ans. Et des gens qui me posent la question, qu'est-ce que c'est un Colombien en France? Un Colombien en France, c'est comme moi, par exemple, que bosse, que travaille, que s'intègre, que paye les impôts, et qui a une famille, grand-père, des amis. Depuis que je suis arrivé, j'ai travaillé en faisant du ménage dans les bâtiments, dans une usine à Strasbourg, accompagnant des enfants pour aller les chercher ou les laisser à la crèche ou à l'école. Donc, avec des adolescents autistes pendant un an dans des travaux les plus qui m'a apporté humainement le plus. Et actuellement, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Paris 8. Voilà, quoi. Nous sommes dans la rue Jean-Pierre Tambour, ici. Rue qui a su vivre des moments très importants aussi à travers son histoire récente. Voilà. Bonjour, ça va? Bonjour. Ça va? Bonjour, ça va, Max, compagnero. Alors voilà, je suis argentin et donc je fais partie du collectif latino-américain de soutien au front de gauche qui a été créé pour soutenir sa candidature. Parce qu'en fait, c'est la première fois, c'est la règle en France, hein, que des latino-américains se réunissent, c'est historique, pour soutenir un candidat. Quel qu'il soit, jamais c'est arrivé. Bonjour, je m'appelle Rose Merlin, je suis colombienne. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi une femme latino-américaine comme moi a décidé de soutenir le front de gauche ici en France et puis dans les élections qui approchent, la candidature à la présidence de Mélenchon. C'est pas si simple, mais en tant que femme, on subit une discrimination qui est réelle. Même si on est au XXIe siècle, la discrimination continue à être effective dans tous les domaines, notamment dans le domaine du travail. Et je trouve que le programme de Front de Gauche a mis un peu en relief le besoin de combattre la discrimination au-delà du papier, au-delà de simples propos, et d'amener ces combats plus loin et de faire effective l'égalité entre les femmes et les hommes. Oui, moi je me retrouve dans le programme, c'est là où peut-être c'est bien qu'on essaye de voir le programme, qu'est-ce qui nous intéresse à nous hein, comme latino-américains, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce programme. Je trouve quand même qu'il y a des réponses, pas que pour les latino-américains seulement, c'est pour les Français, mais en particulier par exemple les questions qui nous intéressent, la question de la paix, la question d'une alternative aux changements internationaux. Je n'arrive pas à m'imaginer comment
Et venant d'un pays comme la Colombie qui subit jusqu'à aujourd'hui la pire des guerres, le pire des conflits sociaux et armés, on peut venir en France et envisager la possibilité que nos fils, que les générations de l'avenir se voient mêlés aussi dans un conflit armé, dans un conflit armé international. Je n'arrive pas à imaginer mes enfants et les enfants de mes amis en train de se battre dans des guerres sans aucun sens, dans des guerres pour les capitales, pour les pétroles, ailleurs, en Afghanistan, en Afrique, en Asie, et pourquoi pas demain en Amérique. Pour nous, latino-américains qui sommes en France et en Europe, ce qui est important, c'est de rétablir des relations internationales sous la base de la coopération. C'est pour ça que nous rejetons tous les accords de libre-échange qui donnent la bonne part aux multinationales, qui pillent nos pays et notre environnement. Ça, pour nous, c'est fondamental de rétablir des relations de coopération. Oui, nous, les Latino-Américains, on a des choses qu'on a vécues, qu'on peut partager aussi avec nos compatriotes, nos concitoyens. Aujourd'hui, on parle beaucoup de... Il faut faire attention aux dépenses de l'État, qu'il faut faire la rigueur, qu'il faut contrôler les dépenses publiques... et qu'il faut réduire les dépenses de santé, d'éducation et d'assistance aux personnes nécessitées. Mais cette politique-là, cette façon de faire, on l'a déjà vécu. On l'a déjà vécu en Amérique latine, et beaucoup de pays en Amérique latine subviennent que ces façons de faire a donné encore plus de pauvres. Nous, déjà, qui on était des pays très pauvres, ça a donné des populations qui, dès la pauvreté, sont passées à la misère. Et aujourd'hui, c'est le même discours. C'est quelque chose que nous, latino-américains, on a à dire à nos concitoyens. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas en réduisant, en maltraitant les gens et en réduire les droits des travailleurs que demain, tout va être solutionné. C'est pas vrai. Mais il faut quand même penser à quelque chose. Et pourquoi on a fait ça? C'est parce que derrière, il y avait les groupes financiers ou, on peut dire directement, les fonds monétaires internationaux qui a donné les instructions. Les banquiers. C'est-à-dire les banquiers. Les banquiers. La finance a mis à genoux tous nos pays. Et ça a donné des résultats catastrophiques. Moi je pense que tu as touché à quelque chose d'important et qu'on a tous, quoi. C'est le fait des partages des richesses. C'est sûr que là, c'est le gros problème. Et c'est là aussi où je pense que le programme, il a des choses sérieuses et par rapport à ça. Mais il y a autre chose qui, nous, en tant que Latino-Américains, nous intéresse. C'est ce qui se passe ici en France. Ici, on arrive vraiment à donner une autre politique, à que ce pays propose une autre politique au monde. Je pense, par exemple, au traité des libres commerces, les fameux TLC, ou accords d'association qu'on appelle. C'est-à-dire que c'est un pays qui va proposer d'autres politiques. Il passe ces types de traités qui ne sont que des traités qui permettent aux multinationales d'aller encore prendre, accaparer les richesses et appauvrir de plus en plus les peuples. C'est ça les TLC. Et donc je crois que là, il y a un besoin pour nous, qui pensons quand même que ce n'est plus possible de continuer de voler les pays du Sud, de prendre leurs matières premières, de les appauvrir, de tuer la planète, ben ça, il faut que ça s'arrête. C'est ce qui nous, en tant que latinos, nous a inspiré, ce soit le fait que pour la première fois, nous avions un candidat qui s'appuie sur notre expérience pour montrer que c'est possible d'échanger. Il n'y a pas une fatalité, quoi. Si ça pouvait changer en Argentine, au Venezuela et dans d'autres pays, ça peut bien changer en France. On peut revenir à appliquer une autre politique en France. Puisque nous sommes un pays, c'est une puissance quand même. Mais c'est vrai que le Brésil, c'est très très bien relevé. Hein. Voilà. Il faut savoir qu'il y a des solutions en Amérique latine. C'est un laboratoire
où il y a des solutions. Il faut aller chercher, lire, et puis voilà comment ça s'est passé. Mais ce que tu dis là quand tu dis laboratoire, oui, parce que nous, on a été le laboratoire du néolibéralisme. On nous a enfoncés. Mais aussi maintenant, on a cette possibilité avec ce qui se passe en Bolivie, en Équateur, et malheureusement pas en Colombie, et ce qui se passe au Venezuela. C'est-à-dire des pays qui ont dit non au néolibéralisme. Ils commençaient à développer d'autres politiques. Et pour moi, la France, c'est un espoir. Toi, c'est ce programme, parce que justement ça serait donner une autre direction à cette politique qui est de plus en plus rétrograde, qui est de plus en plus à l'encontre des intérêts d'une population. Moi, ça m'a fait la peine de voir la France comme ça. Vraiment, j'ai dit, mais comment c'est possible, un pays avec autant d'histoire, un pays qui nous a inspiré à nous, qui nous a donné, c'est le pays des Lumières, quoi, c'est le pays de la Révolution française, que ce pays accepte ces politiques-là que nous avons connues. J'ose espérer que nous n'y arriverons pas là. Le pays du contrat social. Le pays du contrat social, quand on lit le contrat social, on se rend compte vraiment qu'est-ce que c'est le valeur de la France. On se souvient d'où les discriminations. On est discriminé du fait d'être une femme, mais on est discriminé aussi du fait d'être un immigré. Donc je crois que ce combat-là contre la discrimination doit se faire très fort, très haut. On doit soutenir les partis qui nous défendent, qui défendent nos intérêts en tant qu'immigrés et qui défendent comme le Front de Gauche l'idée que la migration n'est pas un problème. Il a fallu passer par là pour arriver à un changement, c'est-à-dire à récupérer la première chose qui était la dignité du peuple, la dignité d'exister. Et cette dignité, on est en train de les changer en Amérique latine. Et justement, je pense que la France n'a pas besoin d'aller si loin pour se rendre compte que c'est pas en éliminant les profs, ou en éliminant les dépenses de la santé, ou en éliminant les droits des travailleurs, qu'une solution ça va être à cette situation économique. C'est pas vrai. C'est la pilule, elle est très dure à passer. Ça fait quand même plus de 30 ans que j'ai vécu en France. J'ai jamais vu des politiques aussi hostiles à l'immigration. C'est-à-dire que ce qui se passe, ce n'est pas rien quand même. Et ça, on ne peut plus continuer comme ça. C'est pas cette France-là que j'aime. C'est pas la France des droits de l'homme. C'est pas cette France qui nous a fait l'aimer et venir ici. Et je trouve que avec le Front de Gauche, il y a une proposition là qui m'intéresse aussi. C'est-à-dire une autre politique où on dit clairement que l'immigration, ce n'est pas un problème. Au contraire, comme tu disais, c'est une richesse. C'est cette France-là que j'aime, cette France qui parle d'égalité, qui parle de liberté, qui parle de fraternité. On entend le discours aussi bien de l'UDF que... de l'UMP, autant que de l'extrême droite. La droite ou l'extrême droite, c'est le même discours. Voilà. Donc, à ce niveau-là. Et je me dis quand même que ça, on ne peut plus le supporter. Qu'il faut qu'il y ait une réponse. Et cette réponse-là, je pense que c'est celle-là des humains d'abord, quoi, comme dit le programme du Front de Gauche. C'est-à-dire là où l'homme est au centre des préoccupations et pas la différence. Comme c'est ce qu'on essaye de faire, de nous essayer les uns contre les autres, où les immigrés sont le bouc émissaire, quoi, de tous les problèmes. Seulement apporter à cette belle société française avec mon travail, mais humainement, puisque je suis un père d'une fille franco-péruvienne, et
qui a 22 ans, qui vit sa vie, qui est en pleine jeunesse. Et je m'en soucie pour son avenir et l'avenir de ses enfants. C'est pour ça que je suis pour le Front de Gauche. Je veux dire que le fait, enfin, il y a en France quand même un nombre important de couples mixtes, de couples qui se construisent et qui font qu'on arrive à être des citoyens de deux rives. Alors, il y a beaucoup de citoyens qui sont des deux rives de la Méditerranée. Nous, on est des citoyens des deux rives de l'Atlantique. Et je pense que ça, c'est vraiment une richesse. C'est une richesse pour tous. C'est une richesse, là, c'est... On est dans un monde dans lequel il y a des échanges humains qui se passent, qui ont toujours existé, mais d'une façon encore plus forte en ce moment. Et mettre des barrières à ça, c'est pas humain. C'est pas bon. Je pensais l'autre jour... qu'il y ait de l'amour entre les gens, c'est bien. Aujourd'hui, c'est le moment aux citoyens français de se réveiller et de se rendre compte que tout ce qu'on dit, c'est la faute aux travailleurs, ça coûte trop cher, les travailleurs en France, et, il n'est pas rentable, il est pas, et, il faut le faire en Chine parce que là-bas, ça coûte moins cher. C'est pas vrai. Il faut se réveiller. Aujourd'hui, il faut penser que tout ce qu'on fait, ça a de la valeur. Et surtout, la dignité, ça a de la valeur. Il ne faut pas vendre sa dignité. Aujourd'hui, il faut se réveiller. Résister. Il faut résister. Il faut plus que résister. Il faut maintenant, comme on disait Jean-Luc Mélenchon, il faut prendre le pouvoir. Ouais. Je crois qu'il est très important pour nous de prendre conscience du fait qu'on doit soutenir un parti qui ne soit pas d'accord avec la participation dans des guerres internationales, qui ne soit pas d'accord avec les démarches de l'OTAN et avec toutes ces démarches impérialistes qui sont en train de monter de partout dans le monde. Levantando el recinto, el pan y la verdad. Vamos a andar matando el egoísmo para que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Vamos a andar con todas las banderas trenzadas de manera que no haya soledad. Que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad. Vamos a andar para llegar a la vida.